Apparemment, quand t'es malade, il y a des papiers à remplir. Des trucs administratifs. Allez, j'ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale de la CAF. On va voir tout ça. Ah, la maladie d'Erneuil. Je connais pas. Bon, en tout cas, si vous êtes effectivement malade, vous aurez plusieurs choses à demander, hein, des dossiers à remplir. Il faut faire une demande d'ALD avec votre médecin traitant pour envoyer le dossier à la CPAM. Et ensuite, il faut faire une demande de RQTH, sans oublier la AH. Mais ça, c'est avec la MDPH qu'il faut voir. Et ben voilà. C'était facile. Mais il me manque des choses là, monsieur Réal. Il me faut votre livret de famille, une photo d'identité, le mot d'absence de votre mère pour le cours de français de 1995, vos attestations de travail de avril 98 à mars 2002, votre groupe sanguin et vos cartes Netflix. Tout besoin d'aide. Votre dossier est complet. Ma mission ici est terminée. Je pars aider d'autres gens. Attendez, je vais pouvoir vous envoler. Allez, salut. C'est complet, c'est... Ah oui, votre dossier est complet. Ah, c'est exceptionnel. Écoutez, j'en avais jamais vu encore, donc... On en a parlé en 1987, quel dossier avait été complet, là je... Écoutez, faut absolument que j'en parle à une collègue, c'est merveilleux. J'avais jamais vu ça. Bah écoutez, allez-y monsieur Réal, vraiment merci pour ce dossier. Vous aurez la réponse dans 7 mois. 7 mois? Chérie, on a la réponse? C'est bon, mon dossier est validé à la MDPH. Faudrait remercier Super Julie. J'ai aucune idée de sa véritable identité. Regardez, j'ai eu la réponse de la MDPH, je suis reconnu comme handicapé. Très bien, monsieur Réal. Très bien. Mais... Vous savez qu'il faut refaire une demande dans 6 mois. I am walking down the street, thinking the Lord has still...